Bon, je vais recaler au contrôle technique à cause d'une fuite d'huile. Là, j'ai nettoyé le moteur, puis j'ai roulé pour voir d'où vient la fuite. Et là, il y a un boîtier en plastique ici, c'est le décanteur d'huile, sur les Clio 2 1,9 litre diesel. Au niveau de sa base, ça fuit, et au niveau de la base du tuyau à gauche, là, ça fuit aussi. Allez, on démonte et on regarde. Salut tout le monde, pour y voir plus clair, on enlève le conduit d'admission d'air, et on enlève la jauge à huile, parce que son guide tient sur le décanteur. On le déclipse ici. J'enlève ce tuyau ici. Et ensuite, le décanteur tient avec un collier au fond. Pour vous, il faut couper le collier à la base, parce que moi j'ai déjà mis un collier à vis. Et je tire sur le décanteur. Voilà. Et je tire aussi sur le tuyau à gauche. Il y a une fuite là, et une autre là. Bon, je nettoie la crasse autour en faisant attention à ne rien laisser tomber dans le moteur. Regardons comment ça fait joint. À gauche, il n'y a pas de joint. C'est la durite qui fait joint parce qu'il y a un renflement ici. Par contre, sur le tuyau plus gros, il y a un joint torique. On l'enlève. Il est complètement aplati, on en remettra un neuf. Là, j'ai une boîte de joint torique. Je prends le plus gros. Je lubrifie un peu pour que ça passe mieux. Voilà, comme ça, il glissera mieux. Ah, pété. Bon, j'en prends un autre. Voilà, c'est mis. J'ai un décanteur neuf. Peut-être que l'ancien ne fuit pas avec le nouveau joint, mais comme cette pièce ne coûte pas cher, ben, je la remplace aussi. Et je reprends les éléments de l'ancien décanteur pour les mettre sur le nouveau. Le tuyau. Et la fixation de la jauge à huile. Il y a une languette à monter. Voilà. Je remets un nouveau collier de serrage ici. Et là, il n'y en avait pas, mais je vais en rajouter un autour de cette durite-là pour être sûr que ce soit étanche. Ici, j'en mets pas car ça fuyait pas. Et on monte ça. Je lubrifie autour du joint pour que ça coulisse bien. Et voilà, il est bien enfoncé à fond. Et je serre les colliers de serrage. Et le petit, à gauche. On ne serre pas trop, ça sert à rien. Je reclipse le guide de la jauge à huile. Je remets ma jauge à huile. Et le tuyau du haut. Il ne reste plus qu'à remonter le conduit d'admission d'air. Ensuite, je vais nettoyer le moteur, je vais rouler. Et s'il n'y a plus de traces d'huile, ça voudra dire que c'est réparé. Bah regardez là-dessous, c'est complètement sec. Là j'ai fait plus de 500 km et il n'y a plus une seule fuite d'huile. Et en plus, ça passe au contrôle technique. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce, ajouter un commentaire ou la partager. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.